je m'appelle Marie et j'ai créé La Petite Cuisine il y a maintenant 4 ans et demi à peu près. C'est un concept un peu atypique. En fait, j'ai voulu essayer de recréer une atmosphère un peu comme à la maison. Et du coup, je suis partie de l'idée d'une table commune. Les gens s'assoient à côté de personnes qu'ils ne connaissent pas et partagent un repas autour d'une table commune. Alors, le plat que j'ai préparé, ça s'appelle un banh mi. C'est une spécialité vietnamienne qui se présente normalement sous forme de sandwich. Donc, à la base, la recette, ça va être une tranche de pain de campagne sur lequel je mets un petit peu d'huile d'olive, que je fais cuire au grill. Ensuite, je mets par-dessus un petit peu de piment, un petit peu de mayonnaise au kumbhava. Et au dernier moment, je râpe en fait du kumbhava frais sur la tartine. Donc ça permet de relever. Donc mes légumes, concombres, radis noirs, carottes sont crus. Et je les fais juste mariner un peu dans un mélange de vinaigre de riz et de sucre. J'utilise du bœuf. Dans l'idéal, il faut utiliser la langue de chat. Donc c'est du bœuf, hein, je vous rassure. C'est une viande qui est très tendre. Et là, l'idée, c'est de l'avoir quasiment saignante. Et je fais juste mariner un petit peu la viande dans un mélange de sauce soja, de sauce nhoc mam, de sucre, d'ail et de citronnelle. Et ensuite, donc, je fais revenir à la plancha. Je mets un lit de vermicelle de riz. Et je rajoute dans mon vermicelle de riz une sauce nem. Après, voilà, au dernier moment, donc je prends mon pain, je mets le piment, je mets la mayonnaise, je mets les légumes, je mets la viande. Et ensuite, j'agrémente de pain libanais frit, d'oignons frits, de noix de cajou et de la coriandre et de la menthe ciselée. Et après, un petit trait de caramel de balsamique pour donner une petite touche italienne au plat. Alors, pour accompagner ce plat, dans l'idéal, je conseillerais chez Charles de Noëlla Morentin. Qui est un vin avec beaucoup de fraîcheur, c'est minéral, un petit peu acidulé, et ça peut très bien se marier avec les épices et les herbes fraîches du banh mi.